Ok, bonjour, mon nom c'est Jean-François. On regardait un nouveau jeu aujourd'hui pour une tutoriel board game. Donc la question que je vous pose aujourd'hui, c'est si notre planète se fait conquérir, est-ce que c'est plus plausible qu'elle va se faire conquérir par des robots dinosaures ou par des pirates extraterrestres? Donc le jeu qu'on va regarder aujourd'hui va nous faire prendre deux clics de gens qui n'ont à première vue rien à voir ensemble, et on va les merger ensemble pour se faire une armée éclectique qui va nous permettre d'aller conquérir des planètes. Donc dans Smash Up, on va aller faire des équipes avec des robots, des dinosaures, des gnomes, des pirates, et on va les faire se battre pour le contrôle de différents endroits, différentes planètes. C'est un jeu qui est super intéressant, c'est un deck builder, donc assez facile à jouer. Et puis, c'est un jeu qui a énormément d'extensions, donc on peut aller vraiment chercher énormément de variété et de rejouabilité sur Smash Up. Quand on ouvre la boîte de Smash Up, ça c'est ce qu'on va y trouver. D'abord, on va avoir des factions, donc des groupes de joueurs. On va avoir des cités ou des planètes. Et puis, on va avoir les points de victoire. On va commencer la partie, c'est qu'on va aller étendre ici tous les différentes factions. Dans le jeu de base, il y en a 8. On va sélectionner donc qui joue en premier. Le premier joueur va aller sélectionner une première faction. Donc, par exemple, c'est moi, je vais aller chercher les pirates. Sur le tour de rôle, les joueurs vont aller sélectionner leur propre faction. Par exemple, mon voisin va aller chercher les aliens, celui-là ici va aller chercher les zombies et les dinosaures, par exemple. Donc, une fois que le premier tour est fait, on part un deuxième tour avec, cette fois-ci, le dernier joueur qui commence. Donc, celui-là va aller chercher, par exemple, les ninjas pour ajouter à son jeu, celui-là ici, les sorciers, ça va là, lui va aller là, et moi, je vais prendre les robots. Donc, mon jeu va se faire avec les pirates et les robots. Ces deux paquets-là seront donc mélangés pour créer un paquet qui sera unique à mon équipe de jeu. Ensuite de ça, on va aller chercher les différentes bases sur lesquelles on va travailler. On va sortir une base par joueur, plus une. Donc là, j'ai décrit une partie à quatre joueurs. On va travailler avec cinq bases. On va les mettre sur le plan de jeu. Et les points de victoire restent de côté. Une fois qu'on a fait la sélection des équipes et des bases de départ, on les place comme ça sur la table. Donc, genre ma pile ici avec mes deux équipes mélangées et la pile de remplacement des différentes bases qui va être de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur une carte de base? D'abord, il va avoir l'action spéciale de cette base. Donc, chaque base a un petit texte. C'est toujours des trucs très simples, il n'y aura pas de complications. Donc, celle-ci, par exemple, vous dit après la conquête, le vainqueur peut détruire une créature de son choix. Donc, il peut détruire une créature s'il veut. S'il ne veut pas le faire, ce n'est pas nécessaire non plus. On a en haut ici le nombre de points le nombre de points d'attaque nécessaires pour battre la base. Donc, ici, il va falloir que tous ensemble, on combine 18 points pour battre cette base et ensuite récolter des points. Et les gros chiffres sur la base, ça va être le nombre de points de victoire décernés aux différents joueurs qui auront contribué au total de 18 points. Réparti de cette façon, donc le premier joueur, celui qui aura contribué le plus de points d'attaque, va se voir remettre 2 points. Le second joueur, celui qui aura mis le deuxième plus haut total de points, va avoir 3 points de victoire. Et celui qui aura mis le moins de points d'attaque va avoir 2 points de victoire. À l'éventualité où il y a un quatrième joueur, celui-là n'a absolument rien. Une fois que la base, elle est battue, on va résoudre le petit texte en dessous. Donc après la conquête, il y a une action spéciale. Certaines actions sont pendant la conquête. Donc, tout dépendant de ce que le texte va dire, on va résoudre l'action et on va discarter cette base sur le côté. On va ensuite de ça, en ajouter une nouvelle. Ça va continuer de cette façon-là, sans arrêt. On va toujours ajouter une nouvelle base jusqu'à ce qu'un des joueurs obtienne 15 points de victoire. Quand ce joueur-là aura ses 15 points de victoire, tous les autres auront un tour de plus pour compléter le maximum de points de victoire qu'ils peuvent compléter. Donc, une fois que c'est en place, toutes les bases sont prêtes, on va piocher 5 cartes. Donc, tout le monde commence avec 5 cartes dans les mains. Pour le premier tour de la partie, il y a une limite de 10 cartes en main. Donc, vous pouvez piocher des cartes au fur et à mesure que la partie avance, jamais plus de 10 cartes en main à la fois. Les cartes que vous allez piger vont être réparties de deux façons. Il va y avoir soit des cartes créatures ou bien des cartes actions. Donc, c'est deux types de cartes. En début de partie, vous avez le droit de jouer une carte de chaque. Donc, quand c'est mon tour qui commence, j'ai le droit de jouer une créature et j'ai le droit de jouer une action. De façon qu'on va les jouer, les créatures, on les joue directement sur les bases, dans le but d'abaisser les points d'attaque. Donc, par exemple, je vais jouer Zapbot.
La force de ma créature, elle est en haut ici. Donc, cette créature-là a une force de 2. Il y a un petit texte qui va avec aussi. Donc, si par exemple, je la joue ici, sur le royaume champignon, le nombre de points de points de vie du royaume est diminué de 2 et maintenant à 18. Et ce qu'on me dit dans le petit texte, c'est en jouant Zabot, j'ai le droit de jouer une créature supplémentaire de force 2 au moins. Donc, je peux immédiatement jouer une autre créature. Bon, à ce moment-ci, j'ai 3, 4 et 3. Je ne pourrais pas jouer une créature additionnelle. Donc, mon tour se terminerait ici. Je vais pouvoir jouer une action maintenant. Parce qu'à chaque tour, on a le droit de jouer une créature et une action. L'action que je vais jouer, c'est le centre opérationnel. Ça me dit ici, choisissez une base, piochez pour chacune de vos créatures sur la base. Donc ici, j'en ai une seule créature. Je vais piocher une carte qui s'ajoutera à ma main. Dans l'éventualité où j'aurais eu 4 créatures sur la base, bien, j'aurais pioché 4 cartes. Donc il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez piocher ou jouer. Il ne faut juste pas oublier qu'on ne peut pas avoir plus que 10 à la fois dans les mains. Les actions sur les cartes vont varier d'une carte à l'autre, d'une faction à l'autre. Ça va être complètement différent. Il va y avoir des peuples qui vont vous, ou des factions qui vont vous inviter à piocher énormément de cartes, d'autres qui vont vous faire jouer beaucoup de cartes. Il y a des factions défensives et des factions qui attaquent. Donc, d'une partie à l'autre, d'un combo à l'autre de factions, votre jeu va changer assez drastiquement. Il y a des actions qui sont permanentes aussi. Donc, par exemple, Warbot. Il dit ici, de façon permanente, il ne peut pas être détruit. Donc, en aucun cas, cette carte-là peut être tuée et sortie de la base. Donc, vous le gardez. On joue ces cartes-là ici, on additionne les points. Quand on arrive au moment où la pile, elle est complète, les points de victoire sont atteints, on a 20 points de victoire, la base va être détruite. Toutes les créatures qui se trouvent sur la base vont aller dans ma défausse ici. Sauf s'il y a une indication contraire. Donc, on va amener ça dans la base ici. La base va être détruite. On envoie ça là-bas. Si, par exemple, il y a une créature ennemie sur la base et que je joue une action qui me permet de détruire une créature, à ce moment-là, je vais prendre cette créature-là et je vais la renvoyer dans la défausse de l'ennemi, tout simplement. Donc, il n'y a pas de règles particulières ou il n'y a pas de règles spéciales à connaître dans le jeu. Ça va être vraiment de cette façon-là qu'on va jouer. On va poser des cartes créatures sur les bases. On va jouer des actions dans notre défausse ici pour faire des actions différentes, faire des attaques ou pour faire bénéficier nos joueurs. Quand on atteint 15 points de victoire, la partie se termine. On calcule ensuite de ça les points de victoire. Celui qui en a le plus va gagner la partie tout simplement. Là où ce jeu-là prend vraiment toute son ampleur, toute son importance, c'est dans les factions qu'on va jouer. Chaque faction a sa propre personnalité, si vous voulez. C'est très bien décrit dans le livre. Ça va avoir différentes factions qui vont vous permettre différents styles de jeu. Donc, ça va être important de vous familiariser avec ces styles de jeu-là pour voir qu'est-ce qui vous intéresse et qui choisir. Et il y a énormément d'extensions disponibles pour venir ajouter de la profondeur à votre jeu. Donc, ça peut être intéressant d'y jeter un œil si vous aimez bien Smash Up. Donc, c'était Smash Up. Bon petit jeu, super agréable à jouer. C'est un petit jeu léger pour 2 à 4 joueurs dans la boîte de base. Par contre, comme je mentionnais en introduction, il y a énormément d'extensions disponibles. Et puis, ça prend 2 peuples pour 1 joueur. Donc, on commence avec 8 peuples. Si vous achetez des extensions et vous commencez avec 20 peuples, vous pouvez jouer à 10 joueurs. Donc, il n'y a pas de limite de joueurs. Par contre, ça prend les peuples pour permettre à ces joueurs-là de jouer. Donc, acheter des extensions, jouer avec plus d'amis, c'est très possible. On parle d'une partie de base qui est d'environ 45 minutes. Plus vous êtes des habitués, évidemment, plus vous allez jouer rapidement, parce qu'il n'y a pas énormément de composantes du jeu qui allongent le jeu. Donc, même avec les extensions, on reste toujours avec sensiblement le même 45 minutes. Et puis, si vous êtes dans les deck builders, c'est probablement un des très très bons deck builders accessibles, abordables et simples avec lesquels vous allez pouvoir jouer. Donc, un très bon jeu d'introduction, Smash Up.